Rien ne va plus à Liverpool depuis le départ de l'international sénégalais Sadio Mané vers le Bayern Munich lors du dernier mercato estival. Les Reds ne font qu'accumuler les contre-performances en Premier League, comme en atteste leur dernier revers devant Arsenal, lors du match comptant pour la 9e journée. Occupant une peu glorieuse 10e place à 14 points du leader Arsenal, Liverpool est définitivement éloigné de la course pour titre. Cette mauvaise entame de saison n'a pas été du goût des supporters qui ont critiqué la mauvaise gestion du cas Sadio Mané. Après des victoires à Bristol City et à Sheffield United, la victoire contre les Royals a propulsé l'équipe de Mike Beale en tête du classement de Championship, aux côtés de Norwich et des Blades. Et pour ce faire, Windsor Park a dû compter sur un grand Seni Dyang dans ses cages. En effet, au mieux de sa forme, le Lion s'est confié après cette belle série qui a fait du bien au club. Interrogé si l'équipe ressentait une pression supplémentaire pour terminer le parcours de 9 points devant ses propres fans suite à son excellent travail sur la route, Dyang a déclaré « La pression? Je ne crois pas à la pression. Je pense juste qu'en tant que groupe de gars, nous sortons et apprécions chaque match. C'est ce que nous avons fait contre Reading et nous avons obtenu les 3 sur 3. C'est la clé, relevez le défi. Si vous êtes heureux de faire ce que vous le faites le mieux. Nous ne craignons rien. » À propos coup franc tardif à 35 mètres du but, Dyang confie, « Il a frappé assez haut et cela m'a donné suffisamment de temps pour venir, donc je bourdais avec ça. J'apprécie des moments comme celui-ci, je vis pour ces moments. Je voulais avoir l'opportunité de terminer le match alors je me disais, laisse-moi venir pour ça, laisse-moi venir pour ça. C'était une belle façon de terminer le match. » Seni Dyang était également en pleine forme à Bramall Lane mardi soir, réalisant un super arrêt pour contrecarrer Ollie Norwood, mais le portier sénégalais s'empresse de souligner que la bonne forme récente n'est pas due à une ou deux personnes. « Je sens que je suis en bonne forme en ce moment mais c'est vrai pour toute l'équipe, nous sommes tous bien placés », a-t-il déclaré.